Bonjour, Madame Hutton. Je vous fais un petit café. Non, merci. Est-ce qu'elle n'est pas ravissante? Un modèle splendide qui nous vient de la nouvelle collection de Mary McFadden. Je vous la. Elle existe aussi dans d'autres couleurs. Non, celle-ci est très bien. Joignez-y les accessoires et faites-la moi porter. Vous l'aurez au plus tard dans l'après-midi. Ravi de vous voir, mademoiselle Benton. J'espère que vous avez fait bon voyage. Merci. Ensemble. Monsieur le sénateur, vous écoutez. Est-il vrai, comme le disent certaines rumeurs, que vous allez vous lancer dans la course à la présidence? Ce n'est pas compliqué, mon cher. Dites-moi d'où viennent ces rumeurs et je vous dirai si elles sont vraies. Oh, comme si vous ne le saviez pas. Écoutez, monsieur le sénateur, je vous en prie. S'il vous plaît. Sénateur, prochaine conférence à 3h précise, séance de maquillage prévue à 2h30. La voiture passe vous prendre à 2h. Merci, mesdames et messieurs. Comment allez-vous, madame Hutton? Très bien, je vous remercie, George. Je vous ai préparé votre table. Je ne déjeunerai pas seule.
Je vous apporte quelque chose pour patienter, madame. Non, merci. Lille. Bonjour. Tu as l'air en pleine forme. Merci. J'adore votre tailleur. À nouveau? Oui. S'il te plaît. Il vous va ravir. Il me plaît vraiment beaucoup. Champagne? Oh, juste un Perrier pour moi. J'ai arrêté de boire. Ça me fait trop de mal. Je te trouve superbe. Je fais tout pour arrêter. Encore? À notre bonne santé. Ça y est, je me marie. C'est pour la semaine prochaine. Formidable. Félicitations. Steven a tout prévu. Mariage à l'église, demoiselle d'honneur. Je me sens comme une vraie jeune fille. Vous viendrez, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est un garçon charmant. Il vous plaira. Ce bonheur un peu soudain, mes frères. J'ai encore un petit peu de mal à y croire. Il veut des enfants. Est-ce que vous me voyez en mère de famille? Franchement, non. Moi non. Mais lui, tout à fait. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Georges. Faites bien attention aux décharges, hein. Quelle bonne surprise dans mes bras. Je sors d'un déjeuner avec Claudia. Tu sais quelle fille c'est lui? Ah, pour aller où? San Francisco. Pour se marier. Se marier? Mm-hmm. Avec qui? Stephen Beck. Les Beck de San Francisco? Avec tout ce que tu lui as appris, ça ne m'étonne pas. Mais pourvu que ça tienne. Il n'a pas raison. Tant qu'il n'aura rien découvert. Pour le mieux. Ah, l'opéra ouvre ses portes la semaine prochaine. J'ai pris 2 billets. On donne le lac des Cygnes. Oh, le lac des Cygnes, mon préféré. Tu te rappelles ça? Comment aurais-je pu oublier? Bah, une demi-heure de retard. J'ai eu un problème de voiture. Ne mens pas. Bah, je n'arrivais pas à démarrer. C'est pas grave, je vais me changer, j'ai une jupe dans regarde mon sac. Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Enfin, tu me connais pourtant. Regarde, tes ongles ne sont pas nets, ton maquillage est nul, on dirait que tu ne t'es pas coiffée depuis 3 jours. Oh, mais je... Il n'y a pas de mec quand on travaille. J'ai dicté mes règles, ou tu les appliques, ou tu t'en vas. Oh, mais enfin... C'est comme ça, après. Première et dernière fois. Thank you.
vous allez où, comme ça? Je vais du côté du strip. Sunset Strip? Oui, je vais retrouver mon amie Cindy. Très bien. Montez. C'est la première fois que vous venez à Los Angeles? Oui, je suis arrivée ce matin. Et vous venez d'où? McCook, Nebraska. Oh, ça fait une trotte. Surtout quand on vient par le bus. Ça m'a paru interminable. Vous avez quelqu'un ici? Oui, mon amie Cindy, oui. Elle est partie il y a bientôt 3 mois. Et elle m'a appelée pour me dire qu'ici la vie était super. Alors, j'ai voulu lui faire une petite surprise en venant la retrouver. Elle sait que vous êtes ici. Je lui ai téléphoné, mais ça ne répond pas. Non, c'est pas grave, elle va revenir. Sa ligne est suspendue. Salut, Tony. Comment ça va? Bien. Tu dégages un max. Merci. Perrier citron, c'est ça? J'aurais plutôt besoin d'un bon whisky. Hé, hey, tu connais les règles? Oui, malheureusement. Fais comme t'as dit. Un peu de compagnie. Une belle fille comme toi, ça ne reste pas toute seule. Hé, hey. La dame ne veut pas de ta compagnie. Pourquoi? C'est ma petite sœur. Merci, Tony. De rien. Je peux avoir mon chèque, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens, le voilà. Merci. Merci. Je ne sais comment vous remercier, madame. Mille. N'oubliez pas, Jules. Si vous avez le moindre ennui, appelez-moi. D'accord. Promis? Oui. Et encore merci. Au revoir. Au revoir. Tu es en retard. Désolée, une histoire de panne. Ouais, c'est fou comme ça m'a excité. Je croyais que tu ne viendrais plus. Enfin. Tu sais que vous préférez. Ma mère a pensé que c'était à nous de choisir. Elle nous en a fait envoyer plusieurs. Ils sont très beaux. Ma mère, elle préférait celui-ci. Ça, c'était plutôt le style de ma grand-mère. Celui-ci? Ouais. Lequel tu préfères? Je les aime tous. Prenons celui que tu veux. Si
Yvonne, il faut que tu m'aides. Je ne peux pas en décider toute seule. En tant que maîtresse de maison, c'est toi qui décides. C'est compris, madame Stephen Beck. Wendy, où es-tu? Je suis encore à l'hôtel. Mais enfin, pourquoi? Il est parti depuis des heures. J'ai eu envie de me prélasser ici un moment. Je suis désolée de ne pas vous avoir appelé plus tôt. Je vais m'en aller maintenant. Je vous verrai demain. Bonsoir. Que je ne suis pas décoiffée. Tu es superbe. Et si jamais je ne leur plaisais pas. Détends-toi, ils vont t'adorer. Alors, ne t'inquiète pas. Que votre famille est dans l'Est. Il nous faut prévoir l'hébergement. Savez-vous quand vos parents ont prévu d'arriver? Ils ne seront pas de la fête. Oh. Oui, ma mère est morte il y a plusieurs années et mon père ne s'en est jamais remis. Oh, je suis terriblement confuse, je ne savais pas. Si vous le voulez bien, nous allons passer au salon pour le café. Ah, chérie. Oncle Edgar était en train de me vanter les vertus du mariage. Avec Tante Marie, ils viennent de fêter leur 25e anniversaire. Merci. Ainsi qu'à vous deux. Merci. Elle est adorable et en même temps si peu sûre d'elle. C'est d'ailleurs là une façon charmante. Où vous êtes-vous rencontrés? Au Bahamas. Un vieux copain de collège avait loué un yacht. Et elle était là avec une amie. Ça a été le coup de foudre. Je n'avais jamais vu de fille comme elle. Il y a longtemps de ça? 6 semaines. Stephen, c'est pas vraiment mes affaires, mais pourquoi ne pas attendre un peu? Pourquoi se précipiter dans le mariage? Que je suis très amoureux. 6 semaines, c'est quand même pas long. Assez pour savoir que je veux la prendre pour femme. Mais ta belle famille? Je ne me marie pas avec sa famille. Sais-tu au moins de quoi elle vit? Mais les relations publiques dans une grande firme. Ah, c'est comme ça qu'on dit de nos jours. Stephen, ne sois pas si naïf. Non, je ne comprends pas. C'est une poule! Qu'est-ce que tu racontes? Et de grand luxe! Ça, c'est une calomnie. Tu crois? Va plutôt demander à ton vieux camarade de classe. Je la connais bien, Stephen. Il suffit de payer $1000 pour passer la nuit avec elle. Tu n'es qu'un sale menteur. Je voudrais bien. Tu vas bien? Tu n'as pas dit un mot pendant le dîner.
savais comme je t'aime. J'ai envie de toi. Et j'espère que tu vas m'en donner pour mon argent. Qu'est-ce que tu dis? J'ai appelé mon vieux camarade de classe pour vérifier ton histoire. Et vous n'avez absolument pas la même version des faits, ma belle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il ne m'a pas parlé d'une rencontre dans l'avion de New York, mais de la dame de Beverly Hills. Non. Oh, si, et ses filles sont réputées pour être les meilleures. Et bien sûr, les plus chères. C'est vrai ou pas, hein? 10 000 $ pour la semaine. Non, c'est un menteur. Non, non, rajoute pas. C'est déjà assez. De tomber amoureux d'une fille à 1 000 $ la nuit. Tu veux, mais enfin, on s'aime. Ne dis pas ça. Qu'est-ce qu'une fille comme toi peut savoir de l'amour? Hein? Non! Non! Désolée, j'étais au téléphone. Elle était très belle. Oui. Et quel âge avait-elle sur cette photo? Elle avait 23 ans. Elle a d'ailleurs été prise au cours de notre lune de miel. Voici ce qu'elle portait. Combien de temps avez-vous été mariés? Il y aurait eu bientôt 40 ans. Elle a toujours eu les cheveux remontés de cette façon. Toujours. Votre première épreuve de droit constitutionnel du trimestre aura lieu la semaine prochaine. Oh. Elle portera sur la loi des droits du citoyen et en particulier sur ces applications appropriées à chacun de nos états. Maintenant, si vous... Dans la chambre, il faudra que tu laisses tomber tes cheveux et que tu les coiffes. Quand il éteindra la lumière, ce sera le moment de rejoindre. Me coiffer? Mais c'est bizarre. N'oublie jamais que tu es là pour vendre du fantasme. Cet homme a besoin de toi. C'est sa manière à lui d'exorciser sa peine. Tu n'auras qu'à t'exécuter. On dit que chez Diana, les filles sont à 50-50 depuis quelque temps. Chez la Tarine, pas chez elle? Mm-hmm. C'est même la plus belle. Mm-hmm. On dit qu'elle ne va pas très bien. Et qu'un fou l'aurait méchamment abîmé. Je vous admire, vous savez. Vous avez toujours le mot juste quand une fille est prête à s'en aller. Tu connais ma politique, April. Le jour où ça ne te convient plus, tu sais où est la porte. Comment c'était son nom déjà? Jenny. Il t'appellera Jenny. Que tu viennes te coucher, Jenny, mon amour.
plus une seule cigarette dans cette maison. Allons, du calme, du calme. Vous n'avez nulle part où aller, les filles. Vous êtes bien là. Allô? Julie? Julie? Non, 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 non. Calme-toi, Julie. Je vais m'en occuper. Je suis désolée de te réveiller. J'ai besoin d'un service. Julie, je suis Douglas Corbin. Il m'a envoyé vous chercher. J'ai rien fait, vous savez. J'étais là bien tranquille. Les flics ont commencé à embarquer tout le monde. Ne vous inquiétez pas, Lille a tout arrangé. Il n'y a plus aucune charge contre vous. Ce sont eux qui vous ont frappé? Non, non. On m'a fait ça ce matin. On m'a pris ma valise, mon portefeuille et mes papiers. Ah, ça n'était pas votre journée. Comment est-elle? Plutôt meurtrie, mais beaucoup plus moralement que physiquement. Est-ce qu'elle a retrouvé son ami? Non. Ça, j'en étais sûre. C'est amusant, ça m'a rappelé notre première rencontre devant chez moi. L'œil au beurre noir ou son incroyable naïveté? Il y a probablement un peu des deux. De ma vie, je n'avais jamais vu un aussi beau coquard. Mmh. Je te verrais, tiens. Si un malabar de flic te tombait sur le dos et te mettait un œil au beurre noir, c'est pas un geste très élégant non plus, hein. Et la dame qui lui avait flanqué un coup de genou? Oh, mais ça, il ne l'avait pas volé. Il a voulu embarquer ma voiture. J'ai même dû le soudoyer pour la modique somme de 50 dollars. Tu sais, il faudrait qu'un jour tu m'expliques pourquoi tu l'as payé. C'était le jour de l'inauguration de la galerie. Mm-hmm. Alors, il fallait bien que je... Quoi? Eh oui, ça l'affichait plutôt mal. Malgré le coquin, je me disais que tu étais la plus belle fille que j'avais jamais vue. Non, j'étais moche. Écoute, j'étais une petite paumée de 18 ans. Je ne savais rien, sauf qu'il fallait se battre pour survivre. Mais tu étais si jeune et si naïf. Tu ne faisais que répéter qu'un jour, tu leur en remontrerais à tous. Et je l'ai fait. Je leur en ai remontré. Tu sais que depuis, pour moi, tu es toujours restée la plus belle. Tu n'as pas arrêté de fumer, j'espère. Alors là, je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines absolument à t'en priver. Tu n'y arriveras jamais. Pourquoi faut-il toujours que tu rabaisses les bonnes intentions? Bon. Charlie, tu peux vendre avant la fin de la séance, crois-moi. Bonjour. Oui, bonjour. Je ne devrais pas, vous n'y avez pas droit. C'est notre secret. Oui, madame. China? Oui? Pendant que j'y pense, dites à Peter de nous rapporter des fraises un peu plus grosses que celles de l'autre fois. Oui, madame, il n'y a rien d'autre. Non. Bonjour. Bonjour. Viens là. Vous avez une maison formidable. Vous ne m'en voudrez pas, mais je ne pouvais pas dormir et je me suis permis de visiter. Tu as pris un petit déjeuner? Oui, c'est votre femme de chambre. Elle est très gentille. Alors, tout est parti. Alors, comme ça, vous habitez seule dans cette grande maison? Sauf quand j'ai une invitée, comme toi. Oh, mais je dois repartir aujourd'hui. Tu vas repartir chez toi au Nebraska? Non,
Là-bas, il n'y a personne qui m'attend. Mais je ne veux pas m'imposer chez vous. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es la bienvenue dans cette maison. Ça te donnera le temps de te retourner. Merci. Vous êtes bien trop gentille avec moi. Je dois avoir un faible pour les jeunes filles un peu perdues qui ne savent pas où aller. Harvey et moi, nous sommes des amis de longue date. Vous le connaissez bien? Il vous a donc expliqué ma façon de travailler. Vous avez quelque chose de particulier en tête, un type physique préféré? Mais pour le tempérament, vous penchez pour la femme agressive et le genre plutôt soumis. Alors faites-moi confiance, c'est quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Je suis sûre que vous en serez très satisfait. Ça vous fera 1 000 $. Mes filles valent bien ça. Ce sont les meilleures. Monsieur Wilson, mon affaire repose sur sa réputation. Au cas où vous ne seriez pas satisfait, je tiens à être la première informée. Vous ne vous connaissez pas? Wendy, voici Julie. Bonjour. Bonjour, ravie de vous connaître. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça c'est une longue histoire. Oh, mais elles le sont toutes. Wendy? Venez, Julie. C'est arrivé ce matin. Il a appelé? Il y a 1 heure, à peu près. Il est très impatient de te voir. J'ai mes examens. Voyons ce qu'il t'envoie. Ah, c'est incroyable. Mais ça coûte une fortune. Ah, ça pourra peut-être me payer la fac de droit l'an prochain. Je n'en ai jamais vu d'aussi. Qu'est-ce qu'il veut? Que tu sois à New York, jeudi. Jeudi? Mais la semaine prochaine, j'ai mes examens. Wendy, il faut que Wendy, je les révise. Wendy, écoute-moi. Tu sais qu'il est fou de toi. Il vient de dépenser une petite fortune pour ce truc. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Que je le lui renvoie avec un mot d'excuse? Désolé, Wendy passe ses examens? Normalement, il devait partir en Europe avec sa femme. Disons qu'il a changé d'avis et j'aimerais que tu fasses comme lui. Il veut que tu sois là jeudi. Tu prendras rendez-vous avec Maurice. Tu as besoin d'un bon coup de peigne. Lille! Je crois que vous n'avez pas compris. Je risque de me faire recaler. Je ne suis pas déjà en très bonne posture. Wendy, pourquoi ne pas potasser tout ça dans l'avion? Il veut que tu sois là pour 2 jours. Tu représentes beaucoup pour lui, tu le sais. Mais je viens de voir. Choisis mieux tes priorités. Tu sembles oublier qui paie les factures. C'est incroyable. J'avais jamais vu une telle merveille. Il y en a plein les boutiques de luxe. C'est fou ce que ça a dû lui coûter. Il est forcément très riche. Mais enfin, d'où tu sors, Julie? Cette ville est pleine de types qui adorent claquer des milliers de dollars pour avoir le plaisir de vous offrir ce genre de truc. Quand même, il doit drôlement t'aimer. Oui. C'est un des bons côtés de ce boulot. On reçoit ça comme des espèces de primes à la loyauté. Mais pourquoi? Les plus vulnérables, ma chère, ce sont ceux qui possèdent le pouvoir et l'argent. Le fait de pouvoir t'offrir les plus belles choses, ça les rassure. S'ils sentent que tu es loyal envers eux, ils vont t'offrir la lune, c'est ça l'art. Savoir leur faire sentir que tu es loyal. Tu comprends? Oui. Tu étais censé m'appeler il y a 1 heure, April. J'ai quelqu'un qui attend depuis longtemps. Mais enfin, je faisais le final. Quoi? Écoute, si tu n'es pas là dans une demi-heure, c'est terminé. Mais Lille, je faisais le final. Lille! L'ambassadeur Farnsworth boit seulement du champagne, de préférence du Dom Pérignon. Il adore le caviar et sa passion, c'est le chocolat.
vous en prie, faites bien en sorte que tout se passe selon son bon plaisir. Oui, madame. Il y a autre chose? Non, merci. Lille? Une minute. Julie, je croyais que tu devais aller chercher du travail. C'est fait. On m'a même fait 3 propositions. J'ai à choisir entre serveuse, caissière ou vendeuse. C'est formidable. Et tu as opté pour quoi? Oh, je sais que ça va vous paraître un petit peu prétentieux. Mm-hmm. Je pensais simplement que... Enfin, j'ai vu ce que vous avez fait pour des filles comme Wendy et April et... Eh bien, je ne suis peut-être pas aussi jolie qu'elle, mais je me demandais si... Si tu peux travailler pour moi. Oui. Tu sais de quoi il s'agit? C'est quand même très spécial. Je suis au courant de vos activités. Je sais ce que font Wendy et April. Je crois que j'en suis capable. Vraiment? Oui. Tu crois que tu peux y arriver? C'est que je n'en suis pas à mon premier homme. Si tu travailles pour moi, tu dois suivre mes règles. Épouser l'allure que je t'impose. Adopter le comportement que je te dicte. Mais ça n'est pas une partie de plaisir. Je suis dure avec mes filles. Je ne recrute pas n'importe qui. Toutes mes filles sont spéciales. Tu dois être bien sûre. C'est le genre de choses que tu as envie de faire. J'en suis persuadée. Très bien. Tu passeras la soirée avec un de mes amis. J'ai besoin de son appréciation. Ça veut dire que je dois faire un essai? Oui. Si ça marche, je peux commencer? Commencera à travailler. Car si les hommes paient si cher pour aller avec mes filles, ce n'est pas que pour le lit, c'est bien avant que tout se passe. Bien avant? À la fin de mon stage, tu seras capable de parler avec un sénateur, un prince, une vedette de cinéma, un ambassadeur. Ils seront tous persuadés que tu es diplômée de Radcliffe. Je ne sais pas si je pourrais faire ça. Bien sûr que si. On peut tout faire quand on le veut. Je l'ai fait. Qu'est-ce que c'est? C'est le service d'étage, madame. Ah oui. Vous, vous m'aviez commandé une bouteille. Il est plus de minuit. Mais je dois retourner à mon travail. Oui. 10 dollars, s'il vous plaît. 10 dollars? Je vais vous les chercher. Une minute, hein? Ils sont là-dedans. Attendez. Écoutez, je peux payer avec ça? Non, madame, en liquide, je suis désolée. Et attendez. C'est pas grave. Il y a toujours un moyen de payer. Et qu'est-ce que vous proposez? Le meilleur pouvoir que tu aies jamais. Oui, Lynn, c'est Tony. Oui. Oui, c'était très bien. Elle manque un peu d'expérience, mais elle est très douée. Oui. Vol en provenance de Los Angeles, département Angleterre.
Dites à M. Culver qu'elle est arrivée et qu'on sort de l'aéroport. J'ai compris. Il est encore en réunion, il vous attend là-bas. J'aimerais d'abord passer à mon hôtel pour me rafraîchir. Il a insisté pour que vous alliez directement à son bureau. Il y a 3 semaines que le forage devait commencer. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, nous avons reçu un téléx ce matin confirmant que l'autorisation était arrivée. Elle était acceptée depuis 15 jours. Qu'est-ce qui les embarrasse? Y avait-tu, paraît-il, quelques ennuis avec les propriétaires? Je n'y crois pas une seconde. Il me faut des réponses. Je serai sur place demain matin. Dans combien de temps le matériel de forage sera-t-il livré à l'hôtel? Eh bien, la plus grande partie de l'équipement est déjà acquis. Ils attendent notre feu vert pour le charger. Sam, tu suis ça de très près. T'es manqué, chérie. Comment? Vous savez, cette fête donnée par le sénateur Alan, non, son oncle y était. Et je l'accompagnais. Où étais-tu passée? Je ne sais plus. Je me souviens plus de rien. Vraiment, je l'aimais. C'est vrai, je le croyais qu'il était différent. Je pensais que je pouvais tout recommencer avec lui. Balayer mon passé. Faire table rase une bonne fois. C'est impossible. Ça nous colle à la peau. Pas moyen de faire marche arrière. On avance ou on reste sur place. Et on ne plaisante pas avec ça. Tu ne pourras jamais oublier ce que tu as été. Tout le monde te le rappellera. Tu es la seule à pouvoir le comprendre. Hélène aimerait bien qu'on sorte tous les soirs. C'est probablement pour ça qu'elle me pousse à la présidence. Je pense que tu ferais un merveilleux gouverneur. Si Marielle voudrait m'acheter, comme ils le font pour tout le monde. Je croyais que tu voulais faire une carrière politique. Si j'entre dans la course au pouvoir, je serai bien obligé de me passer de toi. Et c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. Allô? Allô? Ah, Hélène. Ah, je m'étais un peu assoupi. Que pense le médecin du rhume de Joss? Ah, une allergie. Il ne me dit pas qu'il va devoir subir des tests. Oh, il a refusé. Ah, c'est un peu du caractère. Hein? Oui. Tu embrasses bien les enfants et tu dis à Joss de ne pas s'inquiéter. Moi aussi, je t'aime, mon chou. Dors bien. Je t'appelle demain matin. Je crois que tu devrais aller te consulter. Va dans ma maison de Hawaï et refais-toi une santé. Je vais bien. Claudia. Est-ce que je vous dis que je vais bien? Claudia, il faut que je recommence à travailler. Je suis en pleine forme. Le mieux pour moi, c'est de me remettre au travail. Et tout de suite, il n'y a pas de raison. Dites à Blankford que je passerai, comme d'habitude.
J'avais déjà prévu quelqu'un à ta place. Décommandez-la. J'ai besoin de recommencer à travailler. C'est la seule façon pour moi d'oublier ce type. Slap of my feet on the concrete, pounding down the street. The beat of my heart inside me, keeping them company. I feel the rhythm, the pulse, the stroke everywhere, surging through me with each and every breath of air. Oh, tonight. Mais ça doit être plus important et plus sexy. Vous préférez celle-ci? Eh bien, non, 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 c'est quand même un peu trop, ça fait un peu trop démodé. Enfin, je crois que c'est celle-ci qui ira encore le mieux. C'est de votre avis, on fait ça. Très bien. Voyons ça, à la forme est bonne. Mais s'il vous plaît, regardez bien, n'ayez pas peur. Allez-y, donnez du gonflant, du volume. Voilà, comme ça, c'est très bien. Moi, j'adore ça. J'ai un peu marche-marche, là. Regardez ça, j'arrive pas à y croire. Tourne, mieux que ça tourne. Voilà. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. C'était formidable. Je ne sais pas comment refaire. Tu as très fière allure. Ah. Maintenant, le plus dur va commencer. Vous me jetez dans l'arène? Non, pas vraiment. Car elle a une histoire de l'art allant de la Renaissance à l'époque contemporaine. Un bouquin bien fait sur l'histoire de l'Amérique, y compris les comme à l'école. Pire. Et voilà pour les vins. Un ouvrage sur la grande cuisine. Et deux romans à succès de ces derniers mois.
Ce soir, je donne un dîner. L'ambassadeur Farnworth, c'est mon invité. Tu seras présent, bien entendu. Un ambassadeur? Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, il faut d'abord savoir écouter. C'est, pour ainsi dire, la clé du succès. Tu dois lui faire sentir que tu t'intéresses à sa personne, alors tu lui poses des questions. Quel genre de questions? Il y a un reportage sur l'ambassadeur dans ce magazine. Étudie-le. Entendu. L'homme qui a confiance en toi te confiera ses peurs et ses secrets les plus intimes. Les choses qu'il ne dira à personne d'autre, pas même à sa femme ni à son meilleur ami. Mais pourquoi à moi? Parce qu'il aura besoin de se sentir vulnérable avec toi. Mais qu'est-ce que je vais mettre? C'est toi qui décides. Mais Lille... Et alors, où en sont vos projets? Oh, si vous saviez. J'en prendrais bien encore un petit peu. Moi, je trouve ça fabuleux. Mais vous travaillez depuis longtemps? Eh bien, depuis 2 ans maintenant. Mais ça prendra du temps avant que ça fonctionne. Oui, je sais. Mais le joint vaut vraiment la chandelle? Défendre quelqu'un que je sais coupable n'est pas chose facile. Mais notre constitution dit qu'un homme est innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Quelle vie passionnante de pouvoir ainsi rencontrer tous ces gens aux quatre coins du monde. Je trouve ça merveilleux. Bon, c'est très gentil à vous de me dire ça. Disons que je suis né sous une bonne étoile. J'ai eu la chance de me trouver au bon endroit avec des relations qui jouent en ma faveur. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'à arrêter. Qu'un verre de champagne. C'est un drame. Je n'ai plus compté à partir du quatrième. Je croyais que tu t'étais arrêtée. Exact. J'ai passé une très bonne soirée. Je vous remercie de votre hospitalité. Désolée, mais je n'y arrive pas. C'est dans les dernières années de sa vie que Picasso était le plus prolifique. Certains pensent que ses premiers tableaux étaient les meilleurs. La période bleue? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je ne suis pas sûre, mais je crois que son œuvre littéraire est meilleure. Pourquoi? Parce que ça fait pâture d'enfant. Et quand les gens voient les prix, ils se disent, mais pourquoi pas mon fils? Tu assimiles très vite. J'ignorais que j'aimais autant ça. Bonjour, Lily. Sénateur. Ravi de vous voir. Et votre campagne? Ça s'annonce bien. Vous vous connaissez? Bonjour. Comment ça faisait si longtemps. Julie Tyler, le sénateur et Madame Wells. Bonjour. Ravi de vous connaître. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai envoyé une invitation pour le bal de la charité au profit de l'enfant. J'espère bien vous y voir. Le 21? Bien sûr. Ça m'a fait plaisir. Merci. Tu lui plais. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, je connais le sénateur depuis des années. Un regard me suffit pour deviner ses pensées. Mais sa femme était juste à côté de lui. Parfois, j'oublie à quel point tu peux être jeune et naïf. Des hommes comme lui sont particulièrement exposés. Ils ont tout à perdre si on les voit avec des prostituées. C'est ça, le secret de ma réussite. Mais sa femme, elle vous voit comment? Comme une riche divorcée. Elle est probablement en train de suggérer à son mari de te jeter dans les bras de leur fils. Discrétion. Voilà pour.
Et ma réputation compte presque autant que les filles qui travaillent pour moi. Finalement, cette ville est toute petite. La moindre indiscrétion s'y répand aussi vite que tous les derniers potins des studios de cinéma. Vous avez raison. Je suis jeune et naïve, mais je ne suis pas stupide. Si je te croyais stupide, tu ne travaillerais pas pour moi. Lille ! Demain matin, une limousine passera te prendre à 9h. Une limousine ? Je ne suis jamais montée dans une limousine. On viendra donc te prendre à 9h, très précise. Et on te conduira à l'aéroport. Là, un avion privé t'attendra. Il ne sera là que pour toi. Il t'emmènera jusqu'à Acapulco et tu seras attendu par une autre limousine. Et là, on te conduira au port. Tu rejoindras un yacht privé à bord d'un petit canot à moteur. Pendant 4 jours, tu seras l'invité de Peter Brenner. C'est depuis des années un de mes meilleurs clients. Il t'a engagé pour son fils Justin, qui vient d'avoir 18 ans. Il est encore vierge. Ce sera sa première expérience. Et son père tenait à ce que ce soit une fille très particulière. Tu es une fille particulière. Mon fils est jeune et très sensible. Sois douce avec lui. Julie, j'aimerais te présenter ma femme, Terry, et mon fils, Justin. Julie est la nièce de mon associé de la côte Est. Bonjour. Bonjour. Et Justin, voudrais-tu montrer sa chambre à Julie? Vas-y, Justin. C'est celle qui est à côté de la tienne. D'accord. C'est à ton père? Oui. C'est incroyable. Oui, c'est pas mal. Tu vas peut-être me prendre pour une go, mais je n'avais encore jamais vu un endroit pareil. Non, sauf bien sûr dans les magazines. C'est vraiment le plus beau bateau du monde. Oui, oui, c'est pas mal. Toi, tu y es habitué. Ça te laisse complètement froid. Quel âge tu as? 23 ans. C'est pas vrai. Je le vois quand on me demande. J'en aurai 19 très bientôt. Pourquoi? C'est par simple curiosité. Tu veux pas te changer et passer quelque chose de plus confortable, puis tu déballes tes affaires et on se revoit sur le pont, c'est d'accord? Quoi? Enceinte et de 2 bons mois. J'ai vu le docteur Davis ce matin. Comment une fille comme toi peut-elle se faire piéger? Je ne sais pas, Lille. Il s'agit d'un accident, je ne l'avais pas prévu. Comment peut-on être aussi stupide? Et bien sûr, c'est ton petit ami. Mon petit ami? Mais de qui vous parlez? C'est Len Culver. J'en suis certaine. Faut pas jouer à ça avec moi, Wendy. J'avais oublié que j'aimais autant la danse. Je me souviens du premier spectacle auquel tu as assisté. Tu étais comme une enfant à son premier Noël. Thank you.
quoi? Oui, je vais te donner ce que tu cherches. Je te soupçonne de ne pas être assez viril pour ça. Tu peux. Le monsieur là-bas voudrait vous voir. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je m'amuse un peu, c'est tout. Tu bois trop et je veux que tu arrêtes. Oh, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. Je ne travaille pas. Pauvre Claudia, ça t'amuse de te singer toi-même? Tu sors avec un type qui t'a dragué dans un bar? Oh, dis donc, j'étais d'une main généreuse. Je ne vous avais pas dit que je l'avais déjà fait pour une bouteille de gin à San Francisco. Pourquoi pas pour rien? C'est toujours le même cinéma. Il n'y a rien que les poires pour payer 1000 dollars la nuit. Ça suffit comme ça, Claudia. Tu ne travailles plus pour moi. Et dire que j'ai perdu tant d'années avec toi, je croyais que tu avais de l'envergure, que tu avais de la classe. Une petite racoleuse. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Mon père et Terry sont mariés il y a 3 ans, et avant ça, il était marié avec Denise. Ça n'a d'ailleurs duré que 2 ans. Avant, il y avait eu Chéri. Dis-moi plutôt à combien de mariages il en est. 4. Alors là, mon père est battu. Il en est qu'à son 3e. Et pour ta mère. Allez, vas-y. Non, à toi. Il y en a déjà 2 de morts, elle en est à son 3e. Pareil pour la tienne. Eh bien, après mon père, alors là, plus personne. Il n'était même plus question pour elle de sortir. Elle dit qu'avec moi, elle a tout ce qu'il lui faut. Ça doit être dur. Oui, ça doit être très dur à supporter. On a de la peine à le croire. C'est vrai, elle semble si jeune, si innocente. Mais c'est bien pour ça que je la fais. Comme s'il avait besoin de ça. C'est encore un enfant. C'est la première fois et je veux qu'il s'en souvienne le restant de sa vie. Comme d'un moment très beau. Est-ce que le sénateur Wells est là? Oui, et il en vient bientôt? Bon. Non, je vous rappellerai. Je prétends que vous avez rendez-vous. Je voudrais m'excuser pour mon comportement. Hier soir, je peux m'asseoir? Je me suis levée ce matin et... Non, de l'eau, s'il vous plaît. Le choc a été plutôt brutal, c'est horrible. Je ne me rappelais même plus ce qui s'était passé la veille. C'était le brouillard total. Mais vous avez raison. Par moments, je bois quand même un petit peu trop. Tu peux lâcher la bouteille. Je te redonne une chance. J'arrête. C'est promis. Méfie-toi quand même. Encore un faux pas et on ne se reverra plus. Je ne vous décevrai pas, Lille, je vous le promets. Oh, un ami du sénateur Wells a appelé. On lui a beaucoup parlé de mes filles et de ma réputation. Il veut le meilleur. Je croyais que Wells était Wendy. Je l'ai mise au vert un moment. Elle ne pense que ses études. Et moi, ça m'ennuie. Alors, Pierce? Je vérifie tout. Tu auras tous les détails demain soir. Ça t'intéresse? Oui. Que vous voulez encore de moi.
Julie, je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Tu ne sais rien de moi, tu ne me connais même pas. Ça m'est égal, je t'aime, je peux pas vivre sans toi, Julie. Tu vas te marier avec moi. Mais que va penser ton père? Mon père ne sait pas ce que c'est que l'amour. Peu importe ce qu'il en pense, je t'aime. Et toi, tu m'aimes aussi, pas vrai? Oh, dis-le. Oui. Oui, je t'aime. Len Culver, s'il vous plaît. Wendy, sur la 2. Tu vas bien, mon trésor? Ah, je suis désolée de te déranger. Mais tu ne me déranges pas. Ne dis pas de bêtises, Wendy. Tu sais bien que tu ne me déranges jamais. Écoute, je... S'il s'agit de Vegas, je comprendrai que tu ne viennes pas. Tu as été prévenu un peu tard. Len, je suis enceinte. Dis-moi, Wendy, tu veux de l'argent, c'est ça? Non! Bien sûr que non, Len. J'appelais pour te dire que je vais avoir un enfant de toi. Ça, c'est pas évident. Pour autant que je sache, je ne suis quand même pas le seul dans ta vie. Tu es le seul homme que je vois. Combien tu veux, Wendy? Len, ce n'est pas pour l'argent que je t'appelle. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Comment tu as fait? Je ne sais pas! Mais c'est une erreur de ma part. Je ne te croyais pas si stupide. Non. Mais enfin, comment peux-tu croire que Culver t'adore et qu'il est ravi d'avoir un bébé? Si c'est le sien. Tu n'en es même pas sûre toi-même. Je sais que c'est le sien. Et il a tout à fait le droit de savoir. Et il ne veut pas le savoir. Pour autant qu'il soit dans le coup, pour lui, toi et ton bébé n'existaient pas. Les bijoux, les déclarations d'amour. Oh non, tu as suffisamment de classe pour éviter les clichés. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais vous avez si bien réussi à me persuader que j'étais faite pour lui que j'ai fini par le croire. N'oublie jamais une chose, Wendy. C'est un métier. Len Culver t'a acheté, il y met le prix et il a ce qu'il désire. Une prostituée de classe, il ne s'agirait pas d'oublier qui tu es. Écoute, c'est le secret de ma réussite. Non. Voyons les choses un peu plus à fond, pour une fois. Si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez peur de perdre votre plus beau fleuron. Je suis enceinte. Et si je le reste, je ne peux plus travailler. Ah, pas vrai, Lille? Ah, vous allez me perdre. Et puis Len en prime, tant qu'on y est. À moins que vous n'ayez quelqu'un d'autre à mettre à ma place. Oui. Pourquoi pas Julie? Elle est jeune et jolie, une nymphette. Vous pensez avoir les mêmes résultats qu'avec moi, n'est-ce pas? Oh, vous êtes si froide. Len, tiens, te donner ça. Il y a 50 000 $. Je n'en veux pas de son pognon. Si tu fais la bêtise d'avoir un enfant, pourquoi ne pas avoir l'élégance de l'élever convenablement? Vous allez bien? Oui. Lire, viens, prends. Comment c'était? Fantastique, un vrai conte de fées. Je savais que ça allait te plaire. Tu t'es rappelé, il était très content. Tu
tu l'as impressionné. Il t'a même envoyé un joli petit supplément. Ça doit te faire plaisir. Je m'en moque complètement. Ce n'est pourtant qu'un problème d'argent, Julie. Justin m'aime et il veut se marier avec moi. C'est un môme. Tu es sa première femme. Il est normal que ça l'excite et qu'il s'emballe un peu pour toi. C'est pas ça. Vous avez pas compris. Oh, que si, ma pauvre Julie. Je suis passée par là. J'ai moi-même fait cette erreur une fois. Je croyais tellement qu'il m'aimait et qu'il allait me sortir de cette vie. Mais les hommes n'épousent pas les prostituées. Vous vous trompez. Justin m'aime, je le sais, il veut se marier avec moi. Ça fait $5.50. Vous pouvez attendre que je vois d'abord s'il est là. Ah, je veux bien, mais le compteur tourne. Tant pis. J'ai déjà tout payé à Lille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais voir Justin. Il n'est pas là. Est-ce qu'il revient bientôt? Pour toi, jamais. Mais on avait rendez-vous. Écoute, je ne sais pas quel jeu tu joues, mais sache que mon fils n'a pris aucun rendez-vous avec des prostituées. Allez, maintenant, tu vas être gentille et tu vas t'en aller. Bon, vas-y, tu appuies bien sur tes jambes, hein, et tu frappes ta balle. Bien au milieu de ta raquette. Allez, hop. Hop. Voilà, c'est ça. La raquette bien dans le prolongement du bras. Décontracte-toi, s'il te plaît. Voilà, c'est bien, voilà. Envoie en souplesse tout bêtement devant toi. La raquette bien droite. Ah pardon, c'était trop bas. Merci. Allez, tu fais bien attention à ta prise. Ça c'est un bon frappé. Excellent, on y est. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton vieux est vraiment incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un père comme le tien. Ouais, c'est un sacré mec. Ouais. Ça a dû lui coûter combien d'après toi? Il a dû mettre le paquet. Je peux pas la fermer. Désolé. Ça, c'est une surprise. Dis-moi, tu pourrais me rendre un service? J'aimerais que tu me remplaces ce soir. Sans aucun enfant. Bien sûr, s'il y a du blé à prendre. Super. 7566, Oakbridge. Pour 8h30. Il s'appelle comment? Ah, je sais pas, mais c'est un très bon ami du sénateur Wells. Ah bah tant pis, on verra. Je reviens à l'heure. T'inquiète. Oui, pouvez-vous lui dire de m'appeler dès que possible? C'est urgent. Je m'en vais. Quoi? Je vous l'ai dit, je m'en vais. Ça nous arrive à tout, un jour ou l'autre, on tombe amoureuse du client, mais on s'en remet, je t'assure. Je ne veux pas m'en remettre. Je ne peux pas faire l'amour pendant 4 jours avec un homme et partir comme ça. Dis-moi,
5 000 $, c'est quand même pas rien. Je parle de ce que je ressens. C'est comme si j'existais pas, que je comptais pas. Comme s'il avait fait l'amour avec une autre, qu'il se soit mis à l'aimer. Et que moi, j'étais pas là. Écoute, tu vas t'y habituer. Après, ça passe. Non. Pourquoi payer ce prix? Pourquoi? Pour avoir de beaux vêtements et se pavaner en limousine. Être reçu sur un yacht. Tu as quitté ta ferme du Nebraska. Tu ne voulais pas être caissière, tu ne voulais pas être serveuse. Mais j'aimerais encore mieux être serveuse. Ou même carrément aller faire le trottoir. Au moins, là, on fait pas semblant de tomber amoureux de vous. On est un morceau de viande. Que ce soit pour 5 dollars ou pour 5 000, il n'y a aucune différence. On ressent comme un vide à l'intérieur. Ceci devrait couvrir une partie de votre investissement. Ça t'appartient. Tu l'as gagné. J'en veux pas. Le fait de ne pas l'accepter me rend peut-être la chose plus facile à supporter. Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Lille, je suis devant le dernier journal. Ils sont en train d'annoncer qu'une fille vient d'être assassinée à Oak Ridge. Voici ce que nous savons pour l'instant. Avant minuit, les voisins de cette résidence bien paisible ont entendu une femme appeler au secours. Oh, quand la police est arrivée sur les lieux, il s'agissait d'une location. Elle a découvert le corps d'une jeune femme. Oh, mon Dieu. Les inspecteurs ont déclaré qu'il était trop tôt pour déterminer les causes de son... Je n'avais pas vérifié. Avec le nom de Wells, je croyais que c'était dans l'ordre. Pourquoi n'as-tu pas vérifié? Il y a quelques instants, Wells était sorti, il ne m'a pas rappelé. Le sergent Baxter, qui fut le premier à arriver sur les lieux. Il nous a dit que lorsqu'il a découvert la victime, elle était allongée, nue, en plein milieu du grand salon, ligotée et bâillonnée. Il est encore trop tôt pour attester de son identité, mais tout porte à croire que la police est en possession d'indices qui pourraient la conduire sur la piste d'un réseau de prostituées de luxe. Ça n'était pas Claudia, c'était April. April? Non. Non, j'avais envoyé Claudia. Comment a-t-elle osé? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Pourquoi ne pas passer par moi? Toutes mes filles connaissent les règles. Elle n'est plus en état. Oh, je n'aurais jamais dû la reprendre. Mais dis-moi, et April?
Ça ne te fait rien qu'elle repose à la morgue? Ce sont les risques du métier. C'est un risque que prennent toutes les filles chaque fois qu'elles montent avec un étranger. Je croyais que tu les protégeais. C'est d'ailleurs pour ça que tu as bonne réputation. J'avais. Oh non, quand les gens sauront qu'April était une de mes filles, sache te le jour, mes affaires seront terminées. Personne ne me fera plus jamais confiance. Ta bonne réputation, il n'y a que ça qui compte pour toi. C'est tout ce que j'ai. Et un bon pécule. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Je ne sais pas ce que je... Je ne me reconnais même plus. Tes bras, j'ai peur. Je t'ai aimé. Non, tu m'as pas aimé. Moi aussi. Qu'est-ce que tu savais de l'amour? Rien. Mais toi encore moins. Tu étais bien trop occupé à te haïr pour croire que quelqu'un puisse t'aimer. Tu serais mariée avec moi? Je connais déjà la réponse. Elle a dit que ça vous intéresserait. Claudia. Je tenais à vous montrer ma nouvelle voiture. Si je voulais jouer les films de luxe, il me fallait une voiture de luxe. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, Claudia? Je ne me sentais pas bien. J'ai demandé à April d'y aller. Je la croyais assez maligne pour se débrouiller. Pourquoi n'as-tu pas appelé? Je ne sais pas. J'avais décidé de régler ça par moi-même. J'étais loin d'imaginer une chose pareille. Je crois que tu as assez bu, Claudia. Je commence à peine. Mais c'est mon intérêt de boire. Si je veux effacer toute trace de sentiment, tu la connais bien, cette sensation, hein? C'est comme une espèce d'engourdissement qui vous rend froide et distante. Tu connais ma règle. Tu sais comment ça fonctionne. Eh bien, peut-être que je n'ai plus envie de la suivre. Après, elle est morte par ta faute. Mais... tu es la seule responsable dans l'histoire. Et si cette pauvre April est morte, il n'y a qu'à toi qu'il faut t'en prendre. Tu perds la main. Il fut un temps où tu savais mieux protéger les filles. Tu ne nous as jamais envoyé quelque part sans avoir tout vérifié. Tu es finie. Encore une faille dans la superbe Lille Hatte. Les filles comme nous n'ont pas d'état d'âme. Elle les laisse au vestiaire quand elles se vendent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les paie à bon prix. L'argent est la seule chose que je voulais. Parlons-en de l'argent, car c'est bien la seule chose qui compte pour moi. Non. Va répondre. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux plus te supporter? Le métier est devenu trop dur pour toi. Allez, vas-y, va répondre.
pas intérêt. Si tu veux passer pour la nouvelle madame, prendre ma place. Tu voudrais dans le luxe conduire des voitures extraordinaires, porter des robes hors de prix. Allez, vas-y. Va répondre, Claudia. C'est facile. Il y en a partout. Tu n'as pas grand-chose à faire. Tu en sors deux ou trois du trottoir. Tu leur apprends les manières. Et tu les vends. Comme je t'ai vendu. Tu peux tout avoir, Claudia. Et tu devras te défendre toute seule. C'est très dur. Moi, je l'ai fait. Allô? Non, ce n'est pas Liz. Mais je peux m'en occuper. Quel genre de fille avez-vous en tête? J'ai quelqu'un qui vous plairait sûrement. Elle est en tout point exceptionnelle. Je suis sûre que vous en serez très satisfait. Ça va vous coûter $1000. Et bien sûr, mes filles le méritent, ce sont les meilleures.